Bonjour, salutations, bonsoir. Bon, tout le monde, bien content nous là. Nous branchons, je dis, c'est mercredi, et c'est mercredi 21 juin. C'est officiellement commencement été à tout. Et puis, c'est officiellement tout, c'est journée qui est plus longue pour l'année. Donc, ça veut dire que ce qu'on va pouvoir régler, mais prenons son, c'est journée qui est plus longue. Et les solstices, qui est équivalent, non? Mais c'est une équipe longue pour Ania. Donc, et puis c'est officiellement tout. Et à aller commencer tout. Donc, rappelez-vous, j'ai une équipe longue pour Ania, si je dis aller. Donc, prends ça, non? Et quand on soit après qu'il a pour régler, je dis, il va se l'approcher très tard. Ok. Et prochaine fois, ça va dire encore, c'est le 21 décembre. Laisse ça, c'est pas le. Et je n'ai pas le picout. Et nuit n'a pas le pilon, ça dépend de la position que nous avons par rapport avec le système ça. Et on va dire nous un petit peu plus devant qui en ça. Et puis ça a passé dans l'affaire. Bon, quand il fait bouler, il a commencé à recommencer avec le président Joe Biden, avec le président chinois et Xi Jinping, le président. Mais le président chinois fâché, alors, l'autorité chinoise fâché le fait que le président Joe Biden traite Xi Jinping de dictateur. Alors, son déclaration, son commentaire pendant que le président Biden a participé à un événement dans la Californie, et puis il fait un commentaire, mais l'autorité chinoise reprend très mal, et puis ça arrive exactement. 24 heures après, et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est allé exactement à Pékin, en Chine, rencontrer plusieurs autorités, parmi eux, le président chinois Xi Jinping, avec espoir pour calmer les tensions qui sont entre deux pays, sur ces deux situations et conflits, par exemple, détroit Taïwan, conflit Taïwan lui-même, et en plusieurs occasions, pas laisser frapper, mais quand même, rencontre entre aviation militaire américaine avec avion de guerre chinois, bateau de guerre américain avec bateau de guerre chinois. Donc, nous c'est décidant que l'espoir est pour essayer de calmer et rencontre ça. Et voilà que le président Biden dit là. Et bien, on a tout dans les pôles, notre objectif, tout, c'est pour un an qui mesure de préparer un sommet. Et qui est capable de dérouler entre le président Joe Biden avec le président chinois dans l'occasion et sommet APEC qui est pour dérouler aux États-Unis. Deux messieurs étaient rencontrés déjà, c'était dans le sommet Bali, en Indonésie. Et c'est un rencontre qui était fait en marge à un sommet de Gélato, mais il était fait une discussion, mais je suis satisfait. Voilà. Et puis, il y a un secrétaire d'État américain actuellement qui est venu en Grande-Bretagne. Et après, il est sorti en Chine, donc il n'est pas venu directement aux États. Il était en Grande-Bretagne, et puis il y a tout le premier ministre indien, et Modi, qui lui-même est trouvé aux États-Unis. Le président Biden a accueilli, bon, qu'on est allé tout à New York, côté la participer dans ces événements, etc. Et puis, aviation, bien comme militaire ukrainien, a annoncé qu'il descend trois appareils téléguidés là aussi. Qui en même temps, ni même tout va préparer pour une contre-offensive contre l'Ukraine. Nous avons l'Ukraine commencé et une offensive ni même pour l'Ouest, le reprendre le territoire que la Russie contrôle depuis Gessa qui a commencé en 2021, plus précisément en février 2000, qui a commencé en février. Et donc, ça a longtemps depuis que ça a commencé. Et puis, le monde comprend que la Russie, même, il était à fond bouché avec l'Ukraine. Bon, malheureusement, ça n'a pas été fait. Dans l'autre grand point qui a dominé l'actualité, nous pouvons aller d'abord, si nous devons aller dans le pays d'Haïti, oui. Nous sommes allés dans le pays d'Haïti. Il y a un premier ministre, Henri, qui quittait Haïti depuis hier. À bord un avion privé. Alors, par contre, si c'est un avion privé, ça, c'est l'amener directement. Et en France, ou bien est-ce qu'il va changer pour le bon appareil et puis go, qui pour faire traverser là. Mais le premier ministre, eh bien, il en France, quand il a participé dans ça, un sommet pour un nouveau pacte financier mondial.
avec chef participation, plus d'une secrétaire chef d'État et chef de gouvernement. C'est sous invitation et président français Emmanuel Macron que le premier ministre haïtien l'a participé dans ce sommet. Ça. Alors, moi, je pense que le sommet, c'est sommet pour un nouveau pacte financier. Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Et c'est sous l'initiative de la France que l'a organisé avec chef d'État et avec chef gouvernement. Alors, en marge avec ce message, très certainement, et le Premier ministre Ariel Henry est capable de faire des rencontres avec d'autres membres, d'autres délégations, justement, pour capable discuter et demander conseil tout sur la crise du pays d'Haïti. Alors, voilà, ça fait tout. Et ça n'a pas eu de problème. Non, parce qu'en absence du Premier ministre, là, et parce que le ministre des Finances, M. Boisvert, va faire voyage à tout. Et, mais en absence du Premier ministre, c'est le ministre de la Santé publique, là, et Dr. Larsen, qui lui-même, c'est lui qui a assuré intérim à Mme Jean-Baptiste. Bonsoir. Oui, c'est lui-même qui a assuré ministre de la Santé publique, là, et Dr. Larsen, c'est lui-même qui a assuré intérimat. Et puis, ça qui vient encore, qu'on nous a conseillé, alors, Premier ministre a quitté Haïti, toujours dans le même parc, les lignes n'ont pas bougé, c'est-à-dire que ce soit acteur qui est en face du Premier ministre, il n'a pas bougé, seulement tout le monde qu'on y a là. Et le Premier ministre a participé dans des événements, dans des situations à côté de ses invités. Eh bien, et acteurs politiques souterrains pas vraiment bougé, ils ont tout traité sous position. Yo. Au contraire, monde qui dessine un accord bien groupe, qui dessine un accord 21 décembre nan, ou bien septembre, nan, eh bien, ils ont demandé au Premier ministre à appliquer l'accord là, Jean-Théa, appliquer les surtout pour que ça qui ait un rapport avec sécurité. Alors que le groupe Montana et autres, par exemple, pour aider, eh bien, ils ont dit que. Il voulait pour le Premier ministre lui-même, il voulait pour un gouvernement avec un Premier ministre, et puis mais pour un collège présidentiel, et Jean Sati parlait que Chambéta a gagné 5 ans là-dedans, alors que le Premier ministre Ariel Henry et consort, même, lui d'accord pour lui élargir HTCA, c'est au Conseil de transition, qui vient pour moi là-dedans, il est disposé pour faire ouverture dans un gouvernement pour faire place dans un gouvernement, il est disposé pour faire quelque chose à l'étranger, mais eux-mêmes, ils préféré aller avec un gouvernement monocéphale, c'est-à-dire un gouvernement avec une tête. Il y a bien comme chef, un Premier ministre seulement, qui c'est Premier ministre Ariel Henry. En parlant de sécurité, et il semble qu'un inconnu t'avait kidnappé ancien président du conseil électoral provisoire là, allons dire inconnu armé, et il a kidnappé et ancien président du conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupon. En parlant de Pierre-Louis Aupon, c'est Marie et journaliste et Marie-Louis Bonhomme que monsieur Gang, j'ai envie de dire à monsieur Neg Amé et Kaziba, Yobiruba et Jean-Réléa, et puis t'es kidnappé lui-même, ça rien, 8 jours, semaine passée, et il était allé avec la Kaili, il était allé avec l'ambasio, et il dit que il était questionné, ensuite il était voué la Kaili après ça, pas de gain, son la gain, mais fois ça, Neg Amé, alors c'est le moment, c'est notre abas, c'est le moment que lui au pont après aller taper tout taper la Kaili et le monsieur prend les allers avec nous pas qu'on ait aucun détail sur ça qui dit qui ça qui fait de ce qui demande rançon qui fait nous pas qu'on ait mais encore et c'est même dans même moment ça a un appel tout cap lancé pour que la police nationale là fait effort pour remettre camper Negameo qui semblait commencer à prendre confiance. Donc, ils ont commencé à opérer normalement, donc ils ont commencé à prendre confiance, donc ils ont demandé pour la police nationale là, lever pied. Ou bien encore, est-ce que l'opération Bois-Calais a dû recommencer encore parce que ces temps-ci, l'opération Bois-Calais a baissé
et il pas janté il a commencé dans la zone et canapé vers là il connaît quantité de monde qui plus d'une centaine de monde qui été identifié comme soit membre gang armé que on était passé à l'infinitif alors que passé on était passé à l'infinitif c'est yon mais était boulé autour mettait tué yo mettait tué sur etc. Donc au cas là tu font calmer et ben qu'on y a monsieur Negame recommencer fonctionner encore et on commence à frapper ces gens. Et puis aux États-Unis, et monde qui alors haïtiens, américains et colombiens qui en bas accusation aux États-Unis, qui sont en prison aux États-Unis pour participation dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, eh bien, et hier, il y a supposé que tu de faire de grandes auditions qui pour faire dans le tribunal fédéral dans Miami, eh bien, juge là est renvoyé audition pour mai 2024. Alors qu'audition l'a fait hier, nous rappelons c'est même juge là qui condamné à vie et Rudolf Jahr pour passer toute 13 villes en prison et pour auteur ou bien encore facilitateur ou contribution par lui-même était porté dans héberger ou bien par monde qui monsieur Cap Vini que c'est colombien héberger ou par exemple était capable participer dans l'assassinat président Jovenel Moïse et bien reste monde qui t'a arrêté en Haïti et que autorité américaine t'a arrêté tout et bien tout qui dans prison c'est une dizaine parmi eux Emmanuel gain Sanon gain et Solage et puis il y a Vincent et puis il y a et Palacios et puis l'autre encore que soit il a arrêté pendant t'a sauvé et il monte a été Panama, il a été Dominicaine, il a été de l'autre côté, il monte en Haïti tout que autorité américaine était fait extrader au Bayo et ben monde ça eux-mêmes et les auditions t'a pas fait avec eux. Eh bien, le juge a décidé que lui envoyer audition ça pour jusqu'en mai et 2024. Alors, raison que le juge l'a baillé, c'est pour permettre que avocat accusé entendu son c'est des documents qui semblaient que c'était des documents confidentiels que, ou bien des documents secrets. Que très certainement, il y a parlé pour c'est pas tout le monde qui doit avoir accès à documents sérieux, donc il veut prendre connaissance et décider qui j'ai envie pour ça pour l'aller. Donc voilà, c'est la nuit dans le dossier là. Donc on attend jusqu'en mai 2024 les avocats finaux d'accord sur ces débats ensemble avec les juges là pour regarder tout dossier qui ça va pas dire qui ça va utiliser et bien laisse ça et si un procès qu'a fait pour ça va faire ça mon cap des coupables appeler des coupables mon cap dire pas coupable yo pas coupable. Et puis, il y a un appareil qui est censé gagner 5 personnes là-dedans, puisque mon équipage là, c'est un appareil sous-marin pratiquement qui mène les gens à visiter l'épave bateau Titanic. Là. Et bien, appareil ça, depuis l'autre jour là, il fait du contact avec les dirigeants ou bien encore avec les opérateurs. Et bien, appareil ça, jusqu'à ce qu'on ait assez ça, relé. C'est une chasse qu'a fait contre la montre. Donc, il y a des gars qui peuvent être sur parce que si le carjun appareil là, parce que appareil là, il y a oxygène là-dedans, jusqu'à hier, il y a pour 80 heures, peut-être il est capable de gagner oxygène là-dedans jusqu'à pratiquement demain, éventuellement. Et donc, il y a un expert qui est dans le domaine qui est censé participer à une opération recherche là, et bien, il dit autant de sons. Cap sorti dans l'appareil là, mais personne ne parle exactement et cause que l'appareil a perdu contact avec l'opérateur qui en l'air, qui lui-même est en l'air. Donc il a pressé pour voir si l'oxygène n'a pas fini pour être capable et pour des secours. By et monde qui est en dedans l'appareil ça qui t'a pas regardé épave ou bien encore débris Titanic qui en bas la mer. Donc au moins vous participez dans opération ça visite ça si mes membres pas faire un défaut $250,000 mais après là-bas quand même à la rapidement c'est 5 monde maximum et puis bien peut-être opérateur mais si c'est un ou deux qui l'a tout mais $250,000 au moins ou même qu'à garder dans la qui sont à faire avec $250,000 sous ta c'est $250,000 dans mon
qui ça qui sont à capable juste réfléchir pour réfléchir et monter bas $250,000 ça veut dire que c'est pas un seul $250,000 gain ouais donc ça probablement pas déranger mais même pour réfléchir pour qu'est-ce que tu es capable faire avec $250,000 dans mon jeudi à quel que soit côté pays de quel droit côté à vivre là et puis nous gagnons oui et nous parlons de je ne sais pas parler nous surtout de bah Titanic là après ça il faut ce coup capote là là coup sont là pour essayer d'arrêter et pour te ce coup bah monde qui est dans l'appareil là et puis nous gagnons tout et nous dis non je dis à ces jours qui plus long pour Anéa, donc c'est ça a passé nous-mêmes nous dans pôle nord équateur. Ça veut dire que nous dans pôle nord équateur dans ces jours qui pilon, je n'ai à pilon donc je vais l'approcher pita, je vais appeler pendant longtemps et puis je dis à ces jours officiels que été a li commencé et on va dire une parole de premier ministre Ariel Henry qui trouvait la part côté la participer dans sommet pour un nouveau pacte financier mondial. C'est sous invitation du président français Emmanuel Macron, le ministre financement et ministre Boisvert qui doit accompagner le ministre en voyage là. Pour l'instant, c'est le ministre de santé publique là et docteur Larsen qui lui-même est remplacé et temporairement ou qui kembe provisoirement pour le premier ministre Ariel Henry pendant que le leader. Et puis, il y a un envoyé spécial Nations Unies et pour droits humains en Haïti, M. William O'Neill, qui en Haïti depuis le 19 pratiquement, mais il commence à visiter l'inspection. L'inspection, donc il va regarder la situation des humains en Haïti, donc il est pour lui rencontrer avec le premier ministre Ariel Henry, il est pour rencontrer avec le membre de la civile là, l'autre secteur, très certainement il est pour visiter la prison, il est pour lui rencontrer avec double droits humains, ensuite il est pour aller au Cap Haïtien, et puis de au Cap Haïtien, il est pour le retourner, et puis il a dû quitter Haïti le 29 juin. Et puis il y a OPC, c'est Office Protection et Protection Citoyen, qui lui-même joigne son entente ou bien un accord avec l'Agence Nations Unies pour réfugiés. Et bien, ils font une entente justement pour porter secours par les gens qui ont besoin, ou bien les réfugiés haïtiens, qui ont cherché refuge de l'autre côté pour assister. Et alors, dans l'occasion de la Journée internationale des réfugiés, c'était mardi 20 juin, et bien, deux parties étaient censées rencontrer les journalistes, ont fait une sorte de rencontre pour raconter et parler d'objectifs qu'ils ont poursuivre dans l'initiative ça a fait pour porter assistance. Non seulement les gens qui sont déplacés localement, internement, c'est-à-dire que les gens sont là, ou ne sont pas vivre là, ou sont de l'autre côté, ils vivent dans le même pays. Ou sont qui déplacés pour des circonstances que la circonstance que l'IA et puis leur déplacer à l'extérieur que nous réfugiés va soit réfugié va chercher réfugié de l'autre côté qui peut-être qu'au pas joindre en dedans pays donc c'est cas pour pas en plus haïtien hier nous t'ai attendre sur toute plateforme nous et correspondant que des plusieurs côtés qui t'ai rencontré avec des haïtiens un peu partout que ce soit au Brésil à l'intérieur même des États-Unis dans plusieurs grandes villes côté haïtien jeune refuge au Canada tout et bien t'as pas fait témoignage qui j'ai envie expérience et là aux réfugiés dans leur pays qui pas payé gain des côté situation t'es bon pour yo au début gain côté t'es difficile au début mais qui quand même fait chemin yo et yo fait chemin yo et par exemple une dame ça qui par exemple qui était au Mexique lui-même il dit qu'il a choisi pour venir aux États-Unis, mais il était choisi était au Mexique. Et je dis à ces jeunes gens qui ont plusieurs activités à mener, qui ont offert des cours français, espagnol, anglais, et en même temps, tout le monde compagnie de sécurité localisée qui a créé le travail. Nous avons plusieurs exemples pour ça. Il y a des gens qui, par exemple, qui arrivaient, qui n'ont pas gagné du tout. Et bien, je dis à y a dirigé une entreprise, que ce soit un restaurant, un bar quelconque. Donc, quand je suis un réfugié, c'est un moment de réflexion pour un monde qui arrivait là dans l'île et qui s'est réglé pendant le temps qu'il y a vivre dans la situation réfugiée. Et il y a des gens qui disent, tu as aimé pour tourner la caillou un jour.
Et après, au fin de régulariser la situation. Et puis, ça me répond, t'es dit non encore. Je crois pratiquement c'est là nous et puis nous parlons et pour ça au Cap Haïtien pour employer pour autorité portuaire régionale là non pour là que nous avons que directeur régional là monsieur Pierre Richard Joseph que inconnu de kidnappé dans Port-au-Prince et bien situation n'est pas changé. Il va changer, donc jusqu'à présent, il y a tant de peu. Mais Mounio, en fait, a demandé une grosse somme d'argent pour que, en retour, en échange pour libération. Et ouais. Voilà, et ça me vaut. Et puis, nous avons une absence. Et Jacqueline en vacances, Valérie en vacances. Donc, des messieurs ça eu compte qu'un bémoin ils vont ils tous les d'aller nous comprendre qui j'ai ma balotage donc l'embrouille à gauche j'attends qu'un bém l'embrouille à droite balayer qu'un bém bon monsieur tous les messieurs choisis pour aller en vacances en même temps mais c'est de bonne guerre y a tourné ils méritent les vacances là donc mon encala et gentil avec même tout bon il y a des gars qui là à supporter nous, Fred, même le Fred 10 New Jersey, mais quand même, j'ai toujours là, t'entends, bon petit coup de fil pour le monde, comment on a dégagé, non? Et puis, je service à son gars, le médium qui va chambre, et fermer j'ai sur nous, qui j'ai toujours calé, l'abgarder nous, et assurer que nous là, et n'a poussé vous plus devant, et de temps en temps, bon petit coup de fil, il m'a dit, comment ça? Je dis, ah, je service ça va avec nous, il est là, calé. Et puis nous, je veux dire, mandant quand elle est dans l'arrière, Jean que nous aimons Wally, elle est dans l'arrière, nous avons plus d'activité, mais je veux dire, mandant quand elle a petite raison, c'est parce qu'elle a pris dehors. Elle a pris dans l'arrière, donc je ne vais pas mouiller. Si je suis dehors, on ne va pas me reconnaître maintenant, on ne va pas me reconnaître. Donc, pour après-midi, dans le journal de la télévision, nous saluons tout le monde qui est en live là, tout le monde qui a célébré, qui a fêté, fête jeudi, nous saluons nous tous. Tout le monde qui a fêté hier, nous saluons nous tous. Et tout le monde qui est en amis, bon, salut tout le monde. Et puis, nous avons cassé rendez-vous encore. Et puis, pas oublier, continuer et visiter tous les sites, toutes les plateformes, côté nouvelles pour vous. Mais grand point qui est censé devenir une actualité hier là, c'était audition qui était. Et pour fait sous avec 10 monde qui dans prison aux États-Unis sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là et bien 10 monde ça a été pas dans tribunal alors bon quelque non là dans yo te gagne Emmanuel Sano c'est Emmanuel Sano c'est ça et te gagne tout Solage te gagne tout Vincent et consort et puis te gagne Palacios aussi Palacios qui peut-être cerveau et opération hein. Et bien, monsieur était dans le tribunal, et bien, le juge a décidé de renvoyer audition pour jusqu'en mai 2024. Ça veut dire que monsieur a un bon temps là encore. Il a été dans la prison. Bien, ce temps, le juge a décidé de raison, c'est parce que le juge a dit qu'il voulait que, à ce que et avocat prisonnier ou bien avocat accusé, pas en connaissance de dossier ou bien en accusation qui pèse contre lui, parce qu'il y a des documents secrets là dans le lit. Il y a des documents qui se créent, il y a des révélations qui font, etc. Donc, il veut connaître qui est-ce qui a accès à dossier ça ou qui n'a pas accès à dossier ça. Donc, c'est raison ça fait que l'envoi doit libérer assez de temps pour eux-mêmes tout discuter entre eux, pour prendre une décision avant même que l'audition en fait et pour décider qui ça qui va le faire. Et puis, en Haïti, son dossier qui dossier a pas seulement bougé, genre que j'ai pu m'en souhaiter, mais quand même, juge Voltaire, il continue à faire audition, il continue à faire des gens qui peut-être pour lui gain intérêt, personne d'intérêt, les gens qui ont information, qui sont capables d'aider dans l'enquête. Et puis, il a semblé que l'ancien premier dame, Mathieu Moïse, une interview dans une chaîne de télévision française qui semblait à faire un pile commentaire sur la déclaration que lui fait sous assassinat Marie. Dans l'épita, à 4 heures. Bye-bye.